Good morning, allez, dernier sujet aujourd'hui, le Nishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batreina, Lorléa Batbeila. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Nedarim, Perekhet Mishnah, Hey, Ad Ageshamim, Ad Sheyu Ageshamim, Ad Sheteret Revi Ashnia. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ad Sheyagi Azmana, Shel Revia. Ad Sheyif Sekou Geshamim, Ad Sheyetse Nisan Kulo, Dir Rabbi Meir, Rabbi Yuda Omer. Acheyavora Pesach, Konamien Genitoen Ashana, Nitabra Ashana Asurba Ube Ibura, Ad Rosh Adar, Ad Rosh Adar Rishon, Ad Sof Adar, Ad Sof Adar Rishon. Rabbi Yehuda Omer, Konamien Genitoen, Acheyehev a Pesach, Eno Asur Ela Ad Leila Pesach, Shonit Kavenze Ela Ad Shaa, Shaderech Bne Adam Lishtot Yain. Trois sujets dans notre Mishnah autour du même principe qu'on a démarré depuis le début du chapitre. Lorsque je fixe une limite, est-ce que la limite elle appartient, la borne elle-même, est-ce qu'elle appartient à la période qui précède ou la période qui suit? Je m'interdis une chose jusqu'à Shabbat. Est-ce que Shabbat il inclut dans l'interdit ou jusqu'à l'entrée du Shabbat, jusqu'à ce qu'il va précéder Shabbat? On avait posé la généralité dans la Mishnah Guimel, que je le rappelle très rapidement, allez. On avait posé une généralité. Il y a des choses qui ont de manière générale, lorsque je m'interdis une chose, jusqu'à Pessah, jusqu'à quelque chose, au sens simple, alors c'est jusqu'à qu'arrive la célébration, et dans ce cas-là, je m'arrête avant, et l'interdit s'arrête avant, et après, pendant la célébration, c'est permis. Ça dépend en fait, en réalité, et on avait vu la généralité qui nous disait comme ça. On fait quand même une différence entre les périodes, il y a deux formules. Il y a une formule que tu dis, je m'interdis jusqu'à Pessah, et il y a une formule où tu vas dire jusqu'au jour de Pessah, ou des fois tu vas dire jusqu'à une date par exemple, il y a des fois où tu vas dire jusqu'à telle date, jusqu'à la célébration, ou jusqu'au jour de la célébration. T'as ajouté un mot en plus, qui laisse entendre en fait que même pendant la célébration, si tu seras interdit. Et ça avait fait une différence fondamentale entre les choses qui ont une période. Les célébrations, les événements qui ont une date fixe, et les événements qui n'ont pas de date fixe, qui dépendent plutôt d'une cause naturelle, comme on va voir en l'occurrence au début de notre Mishnah tout de suite, quelqu'un il va s'interdire « Ad Agshamim » jusqu'aux pluies. Alors si vous faites attention d'abord, il a dit « jusqu'aux pluies », ça veut dire « jusqu'aux pluies » deux fois. Pour la pluie qui commence à tomber durant l'année, on distingue avec des données bien, bien claires dans Maseret Taanit, on en parlait longuement, où on différencie le petit crachin qui tombe des fois à Rosh Hashanah un peu avant, un peu après, c'est pas encore considéré comme une pluie. On appelle une pluie quelque chose qui... Les nuages qui bombardent d'eau. D'accord? Et il y a une quantité précisée dans Maseret Taanit. Il faut que ça mouille la terre. Une quantité, combien est-ce que ça doit mouiller? Ensuite, il y a maintenant, lorsque la pluie tombe, c'est pas qu'on commence tout de suite les pluies et ça y est, c'est parti. Il va y avoir une première fois, aujourd'hui, une belle journée où ça y est, ça commence à partir. Puis après, on va passer quelques... Ça peut même durer pendant 2-3 jours, même. Mais après, ça s'arrête. Et quelques temps après, 5, 8, 10 jours, ça revient une deuxième fois. Ça marche par à-coup, comme ça, par vague. Alors sur ça, quand tu dis « Adag Shamim » jusqu'aux pluies, au pluriel, t'as pas dit « Adag Geshem » et « Adag Shamim ». Donc forcément, il va falloir prendre le deuxième pic de pluie, en fait. En deux mots, si vous voulez. Et ça, c'est des dates qu'on connaît bien de Maseret Taanit. Il y a des dates, il y en a qui commencent le Zayn Cheshvan, Yud Zayn Cheshvan, Kav Gimel Cheshvan, Rosh Chodesh Kislev. La Mishnah va là, en l'occurrence, on va plutôt suivre la vie qui pense que c'est en général Rosh Chodesh Kislev. C'est pas obligé. Dès que tu as une première bonne, belle tombée de pluie, ça s'est arrêté. Et puis après, quelques temps après, ça reprend une deuxième fois. Dès la deuxième, ça y est, c'est maintenant Adag Shamim. Là, tu auras le droit, ton éder va s'arrêter. Ok? Je me suis interdit de ne pas manger de la viande jusqu'aux pluies, au pluriel. Donc, va arriver à la deuxième série de pluies, et j'aurai le droit de remanger la viande. Adag Shamim, et là ça change plus ce que j'ai dit, Adag Shamim ou Adcheyehek Shamim, jusqu'à qu'arrivent les jours de la pluie, puisque c'est pas quelque chose qui a un événement qui a une date fixe, dans ce cas-là, ça change rien à la formule que tu dis, c'est interdit jusqu'à l'arrivée de la saison, dès que la période arrive, ça devient permis. Hachetered Revi Ashnia, c'est ce qu'on a dit, jusqu'à que va nous tomber la deuxième série de pluie. On appelle la première série, une série de pluie, ça s'appelle une Revia. Revia Rishona, Revi Ashnia, Revi Ashlishit, ça a apporté dans ma Sechet Taanit. Ensuite, on a une marque locale sur ça. Parce que selon Tanakama, en fait, t'es pas limité par une date précise.
tu attends que ça tombe. Et quand ça tombe, tu comptes, la première fois c'est tombé, après ça s'arrête, la deuxième fois qu'il tombe, c'est la deuxième pluie. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que, non, Achiyagia Zmana Shel Revi'a, jusqu'à ce qu'arrive la période de la Revi'a. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, écoute, les pluies, c'est pas quelque chose qui n'est pas défini, qui n'est pas défini, ça dépend de l'humeur des nuages de l'année. Non, on a des dates fixes qui sont établies dans ma Sechet Tanit. Et tu vas selon la date qui est établie là-bas, que tu as fixée, qu'on a fixée là-bas, même si la pluie n'est pas tombée, ça s'appelle la saison de pluie, et ta onéder s'arrête. Ok? Ensuite, maintenant, au lieu de dire jusqu'à qu'arrive la pluie, il a dit jusqu'à que s'arrête la pluie, jusqu'à la fin de la pluie. Alors sur ça, Hachi et Nissan Kulo dit au Rabbi Meir, Rabbi Meir, il nous dit que jusqu'à que va sortir Nissan entièrement, parce que tout le mois de Nissan, en fait, c'est encore une période où les pluies continuent à tomber, même si c'est censé s'arrêter à Pessah. On a le même avis qui apparaît de nouveau à Rabbi Meir dans ma Sechatanit de nouveau, qui disait qu'il fallait dire même Moride Geshem, si je ne me trompe pas, Moride Geshem qui continue jusqu'à la fin de Nissan selon Rabbi Meir. Tandis que Rabbi Yehuda Omer, Hachi Avor à Pessah, Rabbi Yehuda nous dit non, jusqu'à ce que finisse Pessah, spécifiquement pour ça. Ok, fin du premier sujet, on a parlé jusqu'à la fin des pluies. Maintenant, nouveau sujet. On va parler maintenant d'une année qui va être Meouberet. Vous savez bien que l'année solaire, 365 jours, l'année lunaire, 354, des fois 53, des fois 52. Ok, selon ce que Kislev, Tevet, combien de Rosh Chodesh, de jours de Rosh Chodesh on a fait. Il y a, donc maintenant, pour compléter ces 11 jours manquants, de 9 à 11 jours, ou plus, même, non, plus de 11 à 13 jours manquants, alors sur ça, on va, Chachamim, ils étaient Me'abrim et Tachana. Vous savez que la Shana allait être Meouberet, on ajoutait le deuxième mois de Hadar, bien connu de tous. Qu'une fois tous les 3 ou 4 ans, plus ou moins, c'est, je sais plus, tous les 19 ans, c'est par cycle de 19, je crois que c'est 7 par 19, c'est pas tellement clair, je sais plus, en tout cas, ça change un problème. Il y a, ouais, on, tous les 3 ou 4 ans, on rajoute un mois de Hadar pour pouvoir rééquilibrer la balance et faire que Pessah tombera toujours au printemps. Et Soukot tombera toujours au début de l'automne, et voilà, et ainsi de suite. D'accord, que le calendrier, pas comme chez les Arabes, où eux, ils fonctionnent que selon le calendrier lunaire, ils font avec le Ramadan en plein été, l'année d'après, ça va être un petit peu plus tôt, en juin, puis l'année d'après en mai, et puis après, ils sont avec le Ramadan en hiver, pas le Ramadan en été. Nous, chez nous, on fait, on considère à la fois le soleil et le lunaire, le solaire et le calendrier solaire et lunaire en même temps. D'accord, connu de tous. Donc c'est l'Ibur Hashanah. Maintenant, quelqu'un qui s'est interdit de ne pas boire du vin pendant un an. Konamayin Shinetoem Hashanah. Cette année-là, je ne bois pas de vin. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a rajouté un Chodesh à Ibur. Il a une année plus longue. Il va me dire, moi, je voulais 12 mois, mais c'est sur mon petit verre tellement de temps, je ne tiens plus. Sur ça, on lui dit, non, rien à faire. Asurba ou Beibura, il est interdit. Durant ce jour-là, durant cette année, et même aussi dans le mois du Ibur aussi. Et même mieux que ça. Même s'il avait, il s'était interdit, il était en Nissan de l'année, de la première année, et puis il a pris le neder sur lui qu'il ne boit plus de vin jusqu'à l'année prochaine. Donc il s'est interdit maintenant 12 mois, en théorie. Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Il aurait le droit de commencer à boire depuis Rosh Chodesh Nissan. Ce qui se passe, c'est que Nitam Rashana, même si le mot Chodesh Haïbour, il arrive à la fin de l'année, malgré tout, il lui est interdit, parce qu'il s'est interdit un an. Ensuite. Il a dit Ad Adar, maintenant nouveau sujet. Vous savez bien que des fois, comme on a évoqué, on rajoute des fois un deuxième mois de Adar. Lui, il a dit Ad Rosh Adar, jusqu'au début de Adar. Oh, au début de Adar, du premier mois de Adar, deuxième mois de Adar, réponse, premier mois de Adar, Ad Rosh Adar, Arishon. Et s'il a dit Ad Sof Adar, jusqu'à la fin de Adar, eh bien Ad Sof Adar, Arishon, jusqu'à la fin du premier Adar, tandis que, il y en a qui disent qu'il veut dire jusqu'à la fin du deuxième Adar, il y a deux avis dans la Girsa, comment dire. Et réellement, il rapporte le Tosot Yom Tov, il nous dit que c'est, on retient la halakha, que c'est le deuxième Adar, justement. C'est la fin du deuxième Adar, pas comme c'est écrit dans notre Mishnah, selon ce qu'il nous annonce. Ok? Comme ça, dans le Tosot Yom Tov, il nous dit, la Girsa du Ravad, du Ran, c'est comme ça, tandis que le Rosh, il dit qu'il faut dire Adar Sheni, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la halakha. Ensuite, troisième sujet maintenant, et je rappelle la généralité qu'on a évoquée au début du Shiur. On avait dit que on différencie. Le cas où tu, pour les choses qui ont une date fixe, quand tu dis jusqu'à Pessah, je ne veux plus manger des carottes jusqu'à Pessah. Alors si tu dis jusqu'à Pessah, c'est jusqu'au 14 Nissan, fin de l'après-midi, depuis le 15 Nissan, tu recommences à manger des carottes.
Mettons dit Hatcheyehe à Pessah, jusqu'à ce que vont arriver les jours de Pessah, plus ou moins, c'est une traduction approximative, ça donne le principe. Dans ce cas-là, tu t'interdis jusqu'à après Pessah, ça c'était la règle. On différencie si tu dis Hatcheyagia ou Hatcheyehe. Maintenant, on a quelqu'un qui nous a dit, qui a fait quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est qu'il s'est interdit, il s'est dit quoi? Il a dit Konam Yain Shen Itoem Hatcheyehe à Pessah. Je m'interdis le vin Hatcheyehe à Pessah, jusqu'à ce qu'arrivent les jours de Pessah. Selon la règle stricte, ça signifie qu'il s'interdit le vin même pendant Pessah. Mais sur ça, vient Rabbi Yehuda, il nous enseigne que quoi? Et non, Asurela Adlei la Pessah, il sera interdit que jusqu'à la veille du Pessah. Pourquoi? C'est-à-dire le premier soir de Pessah, il aura droit au vin. Pourquoi? Parce que son intention, elle était évidente. Tant qu'il n'a pas exclu cette situation-là, c'est sûr que c'était son intention et pas autre chose. Il s'interdit que jusqu'à. Tant qu'il y a des. Qu'il n'y a pas, c'est pas l'usage de tout le monde de boire du vin, mais à l'El Pessah, on boit tous du vin parce qu'on boit les herbacosot, c'est sûr que son intention, elle était de ne pas inclure ça. Sa phrase, même si elle prête à, je vais dire confusion, ou bien à ambiguïté, qu'en théorie, normalement, il s'interdit les jours, jusqu'à qu'il ne va pas exprimer explicitement qu'il veut interdire le jour de Pessah, c'est sûr que ce n'était pas dans son intention d'interdire le vin jusqu'à Pessah. Donc, quand il a dit Hatcheyehe Pessah, ça signifie en fait jusqu'à l'entrée de Pessah uniquement. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Attention, rappel, c'est aujourd'hui le jour de la grande Macbeth. Si vous voulez avoir des rouillottes, c'est le moment de contactez-nous. On vous renverra le lien exact sur Live Riser. Et voilà. Bezant Hachem, alvaï que vous ayez le mérite. Ça, c'est pour vous. Alvaï pour nous que vous nous aidiez aussi à soutenir cette école. Parce que c'est vraiment, j'insiste, quoi. La continuité du peuple juif dans son. On a tous besoin, même ceux qui sont un petit peu plus loin, et même encore d'autres qui sont encore plus loin, hein, ils réussissent à tenir eux, parce qu'il y en a qui font attention à maintenir bien comme il faut le flambeau. Si ceux qui maintiennent le flambeau dans ces écoles, même s'ils sont encore plus de Mea Shearim, même nous on n'y arrive même plus là-bas. Et si ça réussit à tenir, c'est comme une grande chaîne. Celui qui est plus loin, même il a une vie un peu plus moderne, hein, une vie un peu plus ouverte, il réussit malgré tout à se maintenir dans son judaïsme, dans sa Shemirat HaTorah, grâce à ceux qui en font plus. Aussi, ça crée un équilibre pour tout le monde. Et voilà, si vous voulez avoir des chouyotes et des belles actions à l'intérieur de cette grande entreprise, eh ben, c'est l'occasion. Contactez-nous, on vous enverra le mail, le lien, les Antachem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sacha, Kol Tov, Selah.